Ok, donc de retour sur Elden Ring sur le DLC, je rappelle, je suis en New Game Plus 11, donc 438, niveau 438, 448 heures de jeu, ok. Toujours en train de découvrir le DLC, donc là je suis là, hein, dans le Château Noir, ici à l'entrepôt du troisième étage, et là c'est bien balèze. Hein. Alors, je viens d'activer un levier qui a fait léviter là ici les plateformes là. Ok, donc bah, il faut que je continue d'explorer, hein, parce qu'il y a beaucoup d'étages, beaucoup d'ennemis, mais c'est surtout que c'est hyper balèze ici. Hein. Alors là, waouh, là c'est, ah ouais, là ça pique. Ah là ça pique très 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 sévèrement. Là il y a beaucoup de nouveaux adversaires là qui sont assez terribles, hein. Notamment lui là, eux là qui balance, voilà, qui balance des incantations à l'autre bout du monde là. Rien que lui là, c'est une galère, hein, ce qui fait masse de dégâts. Voilà, alors là je me cache un peu derrière le décor. En plus là il a les yeux dorés là, c'est dire il va donner plus de runes. Et j'ai l'impression, alors j'ai pas trop fait attention, mais j'ai l'impression que ça paye en runes ici. J'ai l'impression que ça paye quand même en runes. Voilà, je tente qu'il fasse ça, ouais. Je suis obligé de faire ça, un combat à distance comme ça. Je pense que la magie ça irait mieux aussi contre eux, mais bon. Et là c'est con parce que je viens de perdre. J'étais en face d'un site de grâce là. Et je sais pas, j'ai perdu bêtement. Enfin bref, ouais, tu vois, là, laisse tomber. Là, je l'ai très mal appréhendé le salaud. Parce que en fait, pourquoi je vais pas au cac? Parce qu'il va chercher à reprendre ses distances en faisant ses boules de feu. Donc c'est pour ça que je joue avec le décor là. Mais là, je le gère très très mal là. Allez, crève. Voilà, puis ça me fait utiliser toutes mes ressources. Ah ouais, c'est une vraie galère, hein. Là, wow. Autant le début du château, franchement, ça allait. Mais là, cette partie supérieure du château, c'est assez galère. Puis comme d'hab, hein, les dégâts insane, hein, qu'on prend dans ce DLC, j'en ai parlé plein de fois. Je le rappelle, hein, le problème, mon problème, c'est pas de prendre de gros dégâts. Mon problème, c'est que ce sont des simples coups qui me font autant de dégâts. Tu vois, c'est un simple coup d'épée, un simple coup de. Là, le mec en rouge que je viens de tuer, il me met un tout petit coup de couteau. Il a un petit couteau, hein, qui est tout petit. Il me fait un tiers de vie, quoi. C'est ça que je trouve débile en fait dans ce DLC, que je trouve hyper mal foutu. C'est le côté insane. Hein. Alors attends, je vais juste attends 2 secondes. Attends, parce que là il y a le gars qui arrive. Le temps qu'il arrive là, attends 2 secondes. Ouais, voilà, bon bah c'est lui. J'aurais voulu le backstab là, mais là j'ai dû faire une petite pause perso, on va dire. Et là du coup là le combat est mal engagé. Parce que là il fait voilà ses attaques de feu là. Et le lock qui me lâche. Tu vois, il recule. Aussi je vais reculer pour récupérer ma stamina et me guérir. Tu vois, en fait chaque combat contre eux c'est limite un combat de boss, quoi, tu vois. C'est un truc de ouf, hein. Après ce qui est bien c'est que ça aussi, ça c'est une des particularités que j'aime beaucoup. Putain, le lock, putain, le lock quand même. Oh putain.
vois là, son simple coup de couteau, t'as vu toute la vie qu'il m'a enlevé, c'est incroyable, hein. Un simple coup de couteau, tu vois. C'est-à-dire, ces boules de feu me font moins de dégâts que son simple coup de couteau. Sachant que le couteau, je l'ai looté, hein. Je l'ai looté, et il fait juste... voilà, quoi. Il a pas de dégâts de saignement, il fait juste du feu. C'est une simple dague, voilà, qui fait juste du feu, sachant que j'ai mis le talisman de feu, que je couple avec le foie séché. Donc là, je l'ai pas utilisé à cause de ma petite pause. Mais tu vois, c'est ta boule de feu me fait moins de dégâts que ton petit coup de couteau, ta petite dague de merde, quoi. C'est ça qui me dérange, en fait, dans ce DLC. Donc, alors, faut que je fasse quand même gaffe au décor, hein, parce que comme j'ai dit, là, j'ai fait léviter tout ce beau décor, là. Ah, merde. Alors, faut faire attention, parce que même eux, hein, même eux, là, ces petits magiciens, là, tout frêles, là, 40 kilos tout mouillés, ils font mal, hein. Ouais, tu vois, là, en fait, tu vois, là, le collectif, il est accessible. Je peux descendre par là? Ah, il y a lui. Il y a lui, allô à l'huile. Il y a lui. Ouais. Alors, déjà, première question, si je tombe... Attends, j'ai entendu bruit, là. Ouais, faut être à l'affût, hein, ici, hein, parce que c'est le danger partout. Et je disais, oui, par contre, ce que j'aime bien dans ça... Ouais, je survis si je tombe. Et il y a lui à affronter, et là, j'ai accès au collectible. Alors, avant ça... Je vais essayer de débloquer le site de grâce. Faut que je fasse attention à mes ressources là, parce que là j'ai déjà claqué pas mal. Voilà, ici c'est un peu tendax ici. Parce que là il y en a un qui vient de là-haut. Oh, il meurt pas. Voilà, c'est lui. Putain, le dodge. C'est le jeu, tu devrais être en mesure de le loquer, même s'il est dans les escaliers, tu vois. Tu vois, et eux, ils sont plutôt cac. Ceux qui sont cac comme lui, ils sont moins problématiques. Faut juste attendre qu'ils s'empalent dans le bouclier. Ok, super, ton pas de danse là, il était magnifique. Hein. Faut juste qu'ils s'empalent dans le bouclier. Bon, là, il reste bloqué dans les escaliers. Ça m'arrange. Voilà, très bien, super. Voilà, parce que t'as deux types de ces ennemis-là. T'en as certains, ils sont plus orientés cac comme lui. Ceux qui sont orientés cac, c'est pas un problème. Juste tu mets ta garde, ils s'empalent dans le bouclier, tu contre-attaques. Et ceux qui sont à distance, là, comme les deux premiers que j'ai affrontés, eux, c'est une vraie galère, hein, vraiment. Alors là, ici, il n'y avait plus rien. Voilà, ben, c'est là-bas que j'ai activé le levier, là, pour faire bouger la plateforme. D'ailleurs, par curiosité, il faudra que je vois est-ce que je peux la rebouger. Par simple curiosité. Donc je disais, oui, par contre, ce que j'aime bien, et ça, j'en parlais souvent, hein, même dans le jeu normal, c'est que en fait, t'as pas de zone de confort, voilà. Tu vois, là, donc là, je ne peux plus l'activer, ok? Voilà, bon, très bien. Ça, c'est une information très importante à savoir. Donc je disais, c'est que, en fait, moi, comme j'ai souvent dit, j'aime bien avoir un gros bouclier et avoir une arme des stocks, ok, et de jouer magie ou incantation à distance, parce que c'est plus facile. Mais ce que j'aime bien dans Elden Ring, c'est que Elden Ring, le jeu est designé pour te mettre une tarte dans la gueule et te montrer que, en vérité, il n'y a pas de meilleure manière de jouer, en fait. Tu peux avoir une façon préférée de jouer parce que tu fais ton roleplay, mais par contre, j'ai pas l'impression, même si, tu vois, je vois souvent des vidéos YouTube depuis que le jeu il est sorti, le saignement c'est pété, oui le saignement, ouais, très bien, et en effet, le saignement c'est archi puissant dans le jeu, y a pas de problème, mais si tu veux jouer Dex, putain, il faut quand même du skill pour savoir esquiver la plupart des attaques ennemies. Autant si tu joues lourd tank avec un gros bouclier, eh ben ton bouclier il a pas réponse à tout, notamment avec ce style d'ennemi que je suis en train d'affronter, tu vois. C'est qu'en fait il n'y a pas de vérité absolue. C'est vrai, tu peux avoir certains builds qui peuvent un peu te faciliter, mais c'est pas une réponse absolue à tout, en fait. Et c'est ça que j'aime bien dans ce jeu là.
Donc ok, donc contre lui, j'ai pas l'impression que le feu ça soit quelque chose de d'important. Alors la protection contre le feu, je vais dire. Donc je vais même reprendre ça. Ce que je vais faire, c'est je vais essayer. Ouais, ce serait bien que je vais essayer de l'empoisonner. Enfin la putréfaction. Je ne sais pas c'est qui hein, cette Freya. Ma sorte de guerre préférée en plus. Wow. Ouais, d'accord, elle s'en bat les reins. Elle tape. Elle tank. Hein. J'ai plus de potions. Donne-moi de l'air, s'il te plaît. Ouais, elle s'en bat les reins. Ouais, quand même, une attaque lourde, quand même. Oh, putain, elle a esquivé. Oh, je vais pas mourir. Quand même. Putain, merde, j'étais bloqué, putain. Ouais, j'utilise trop de ressources avant d'arriver ici. Bon, j'ai un petit aperçu, tu vois, celui-là sur une run normale, sans utiliser Ah merde, putain, j'avais pas mis. Putain, si je l'avais mis, putain de merde. Sans utiliser... Ben si, ben 800 000 runes. Ouais, 800 000 runes. Avec le boost, évidemment. Donc 800 000 runes, ben là oui ça vaut le coup. Là oui ça vaut le coup. Ça fait longtemps là dans Elden Ring, parce que j'ai souvent expliqué que le jeu ne donne pas assez de runes. Là j'ai vraiment l'impression que c'est rentable. Hein. Après c'est une run qui est compliquée, donc tu me diras c'est logique, mais tu sais, hein, la logique n'est pas forcément... pas forcément comme ça hein, dans Elden Ring hein. C'est-à-dire que c'est pas les endroits les plus durs qui donnent et qui payent forcément en runes hein, tu vois, mais là en l'occurrence c'est le cas là. Voilà, j'attends, voilà, hop. Tu vois, en plus il recule et quand il recule, voilà, mon truc il s'empale dans le décor. Je devrais remettre ma protection contre le feu là. Après, c'est vraiment de fortune, hein, cette protection contre le feu, parce qu'en vérité, c'est pas, ça veut pas la différence en vrai. Hein. Et encore, hein, j'ai pas tué tous les ennemis, hein, les petits, ceux qui étudient là à gauche, à droite, là, je les ai pas tous tués, évidemment. Parce que bon, on essaye quand même d'être efficace, mais là, c'est vrai que c'est chiant de mourir au pied du truc. Mais bon, là, maintenant, je sais qu'il est tank et qu'il n'y a pas d'autres ennemis aux alentours. Ouais, cette boule de feu là, j'espère que je vais la looter, cette incantation, quand même. Voilà, donc c'est lui là que j'ai voulu sneak. Je vais faire la même. Hein. Je vais faire la même, hein, combat à distance. Comme ça, il bouge pas, tu vois.
Voilà, comme ça il bouge pas. J'aimerais aussi looter une autre partie de leur une autre pièce d'armure. J'ai looté leur casque et leur dague. Bon, la dague ne m'intéresse absolument pas. Hein. J'ai souvent expliqué que moi le gameplay dague, je sais pas, j'aime pas trop. Donc, je suis pas fan dans ces jeux-là. Ouais, faudrait que j'y aille hein, quand même. Hein. En fait, c'est que je veux absolument récupérer mes runes avant. Enfin, je veux absolument activer le site de grâce avant. Je me dis, tu sais, ce serait une récompense. Et je me mets un petit objectif, quoi. Merde. J'en ai loupé un, bon vas-y c'est pas grave, il est trop loin. Voilà, c'est ici, c'est un petit peu ta taxe. T'as des fois il meurt direct, des fois non. Je le touche là, tu vois, regarde, là où je le touche. Tu vois, même le saignement, c'est pas si évident que ça, hein, contre un. Ok, le petit mercenaire, je m'en fous. Voilà, on va pas s'embêter avec des choses inutiles là. J'ai besoin absolument d'économiser mes ressources. Ça, oh là là, il m'a suivi, putain, mais casse-toi, sérieusement, franchement, crève quoi, merde, je le tue, alors je peux la toucher d'ici, hein, la Freya en question, parce que tout à l'heure je l'ai fait accidentellement, je vais refaire là. Tu vois, regarde, je la touche. Attention. Putain, elle est venue, putain, d'accord, en fait, en la touchant, ça provoque, d'accord, ok. Oh là 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 là, putain, c'est un truc de ouf. Ah ouais, ça, c'est vraiment chaud ici. Hein. D'accord, donc vaut mieux pas utiliser, putain, je n'ai plus des branches sacrificielles, hein. Ah ouais, hein, je souffre, hein, dans ces zones-là, là, c'est chaud, hein. Ah ouais, c'est chaud. C'est après, là ça me surprend parce que tout à l'heure j'ai fait exactement pareil, je ne savais même pas qu'elle était en haut, ok? Et je l'ai touchée avec ma compétence, mais elle n'est pas venue. Et parce que justement, une fois que j'avais tué le mec de feu là, ben je l'attendais, je me suis dit, attends, obligé elle va venir vu que je l'ai touchée. Et rien. Je suis resté sur place et j'ai attendu, elle n'est pas venue. Et là, comme par hasard, elle est venue. Ouais, je pense que la magie en vérité ça irait mieux hein, contre eux. Pour cette run là, franchement, je pense que la magie ça serait mieux que les incantations. Après, c'est vrai qu'il y a le. Que Freya elle est sensible à la putréfaction, mais. Je peux faire les deux. Hein. Enfin, allez, crève, c'est bon. Approche-toi un peu, voilà, crève, c'est bon, putain. Oh là 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 là, je te jure. Ah, je m'en souviendrai de cet endroit. Putain, parce qu'après, refaire tout ce routing là...
Parce que là, la magie pour les combats à distance comme ça, c'est plus dynamique, la magie. Merde, il a fait sa boule. Tu vois, pour ce genre de situation-là, tu vois, la magie, ce serait plus dynamique, quoi. Oh, merde. Oh là là, le décor. Comme par hasard, il va vers le décor, évidemment. Si jamais je meurs, je vais changer. Je vais mettre de la magie. Parce que après tout, j'ai 72 en intelligence. Hein. D'ailleurs, c'est une hérésie, hein, mais bon. J'ai 72 en intelligence et 40 en foi. Seulement 40. Donc là, il y a des sorts que je ne peux pas utiliser. En fait, pourquoi ça? Parce que dans ma folie de vouloir changer tous les 4 matins de manière de jouer, mais la sorcellerie, il faut quand même 72 en intelligence pour pouvoir utiliser les lunes jumelles de Relana. Et voilà, quoi. Putain, tu vois, des fois c'est one shot et des fois non, quoi. Il est où l'autre? Je le vois pas là. Je le vois pas. Et là c'est terrible. Il est là, vas-y viens. Et des fois voilà, il reste coincé comme ça, hein. Ah, c'est un truc de ouf. Ah là 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 là, c'est un truc de ouf. Franchement, oh là 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 là. Pourquoi il était pas là-haut comme d'hab? C'est incroyable ça. Ah, toutes mes branches sacrificielles, ah ouais. Hein. Moi qui un jour j'ai osé me plaindre en me disant que j'en ai trop, ça me sert à rien, bah c'était bien avant que le DLC il arrive. Hein. Alors attends, on va faire différemment. Je vais prendre ça. Bienvenue de ceux qui se tiennent dans le seau. Je vais prendre l'arc. Je vais prendre ça au cas où. Bon, faut que je rajoute une fiole de magie alors. Fiole sacrée, répartir. Hop, voilà. Hop, équipement. Alors, je vais enlever ça. Ok. Bon, je vais prendre celle-ci, évidemment, elle fait plus de dégâts. Plus de dégâts de sorcellerie, slavade de soie. Ok. Très bien. Après, ça dépend du type d'attaque qu'on prend. Hein. Mais bon, je vais partir sur celui-là. Et ici, je vais mettre un saut. Voilà. Alors, on va faire comme ça. Tu vois, et là, je vais essayer. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, c'est l'inverse que j'aurais dû faire. Ouais. Ouais, je vais le faire. Je vais le faire parce que c'est important de. Tac, tac, tu vois. Regarde. Hop, hop. C'est né. Tu as une comète magique. Alors. Ouais, mais il me semble, lui, il est trop lent en fait. Il est trop lent. Et là, je mets ça au cas où. Au cas où. Voilà, au cas où. Ah là 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 là. Quelle souffrance, hein, vraiment. Hein. Après, ouais. Je vais mettre la magie. Je vais mettre le boost de magie. Hein, celui-là, hein, le talisman de la masculité. Donc, il fait plus de dégâts magiques. Waouh. Je m'attendais pas à ce qu'il soit là. Alors, si t'es là, on va peut-être essayer de la jouer différemment, non? C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable que je galère autant contre... Attends, c'est terrible, hein.
C'est terrible que je galère autant. J'en ai connu d'autres dans ma vie. Là, c'est incroyable, hein, vraiment. Hein, je suis en train d'halluciner là. Je galère. Je sais pas si c'est le jeu qui est si dur que ça ou si c'est moi qui suis à l'ouest, toi. Mais c'est pas possible que je galère autant. C'est bon, j'en ai connu d'autres dans ma vie quand même. C'est incroyable. Ouais, putain, regarde, j'en suis cantonné à ça, à me cacher derrière le décor, sérieusement, hein, c'est fou, quoi. Ouais, tu vois. Ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est plus dynamique. Là, après, faut pas que j'oublie de me cacher quand même. Ouais, bon, c'est bien ce que je pensais. Après, là, j'ai gaspillé un peu de potion là parce qu'il fallait que je vois comment ça se goupille. Mais ouais, l'idée en soi, elle est là, quoi. Regarde, tu vois là, pareil, un simple coup de griffe d'un ennemi du début de jeu. Regarde toute la vie qu'il m'a enlevé. Un simple coup de griffe, tu vois. Je le dis, je le répète, hein, c'est pas prendre beaucoup de dégâts qui me dérange, c'est le type d'attaque, quoi, en vrai. C'est même pas les dégâts qui me dérangent, c'est l'attaque. Ça, c'est un ennemi, un des premiers ennemis que tu croises dans le jeu Day One. Il me met un coup de griffe, regarde tout ce qu'il m'enlève. Alors que j'ai une grosse défense physique et j'ai 99 en vigueur, tu vois. Donc, comme j'ai souvent dit, hein, ce système-là, du DLC, là, de... Je suis pas fan de ça. Ouais, c'est plus dynamique, mais je suis plus exposé quand même. Évidemment, ça consomme énormément de mana. Parce que ce bâton là que j'utilise fait plus de dégâts magiques. Il fait plus de dégâts magiques, par contre, il consomme plus de mana. Bon, donc il y a un équilibre à trouver, hein. Peut-être que ça vaut pas le coup de prendre ce bâton là. Vu qu'il consomme plus de mana, et la mana j'en ai grave besoin. Parce que là j'ai encore 400 ennemis là qui m'attendent là. Ah là 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 là. Voilà, tu es là. Voilà, tu m'as même fait ton coup de feu. Voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Franchement, waouh, quelle galère. Quelle galère! Oh là là, bon sang! Ah, comment je suis en train de souffrir là, c'est incroyable! Parce qu'en plus de ça, bah il faut que bah, je découvre l'endroit. Donc j'essaye de faire gaffe, est-ce qu'il n'y a pas des ennemis embusqués? Est-ce qu'il n'y a pas d'endroit secret? Tu vois, là, comme j'ai dit, j'ai tourné la plateforme. Là, depuis tout à l'heure, je dis qu'il faut que je descende. Bah, faudra que je descende concrètement un jour, hein, quand même, hein, pour aller choper l'item en question. Donc là, on a dit, on ne fait pas. Ah, merci bien. Alors, tu vois, je vais me guérir avec la raviole là. Hop, et après, j'enlève le poison. Ok. Donc là, plus loin, il y a le mercenaire. Là, on s'en fout, là, les petites merdes là. Et c'est là que. Là, doucement, doucement, doucement. Attends, attends, attends. Respire, 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 ma belle. Respire. Tout va bien, tout va bien. Ok.
qu'est-ce que tu fais? C'est ça que la question. Qu'elle a entendu du bruit. Je peux le truquer? Ouais, super. Ah bah, je t'ai braqué, hein, ma petite. Hein. Alors, on va quand même essayer de la tuer, quand même. On va la tuer, quand même. Bah, quand on laisse son épée à deux mains, elle va péter ma stamina. Merde, je suis bête, mais... Putain, même ça, tu vois, c'est pas normal que je galère autant contre un ennemi comme ça. Combien j'en ai affronté dans ma vie? Ouais, ça va pas du tout, là. Ouais, ok, d'accord. Bon, au moins, je suis là, j'ai toutes mes ressources, hein. Écoute, hein... Ouais, j'étais dans le hitstun. Bon, ok. Bon, au moins, là, je suis là. Voilà, je suis là. Donc, tranquille. Tranquille, stresse pas. Merci, hein, le jeu, comme par hasard, il fait apparaître dans le dos. Hein, sinon, ce serait pas marrant. Oh, j'ai appuyé, hein, le jeu. Ah, c'est dommage. Voilà, un peu de segment quand même. Oh là 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 là, mais non, mais putain. Putain, sur le combat d'avant, là, j'ai déconné. C'est pourquoi j'ai voulu taper? Je savais très bien qu'elle allait refaire une deuxième truc, là.
Tu vois, pourquoi je tape? Pourquoi je tape à ce moment-là? Pourquoi? Alors, faut pas que j'aille trop bas, hein, parce qu'il y a les ennemis encore. Hein. Là, j'en ai même tué un en bas. Ah merde, ça va peut-être faire venir le guerrier rouge, hein. Mais non, je voulais me pousser là, putain. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Je galère autant, franchement. Là, je. J'hallucine là, c'est pas vrai. Bien joué, elle a sauté. J'aurais pu backstab là. Quand elle est à deux mains comme ça là, il y avait un boss comme ça aussi. C'est faut pas vaut mieux éviter le combat. Enfin, faut vraiment attendre. Super. Vaut mieux attendre que qu'il repasse à une main quoi. Ou tu vois esquiver comme ça voilà et tant que tu le sens pas franchement. Ah, j'ai plus de potions, putain, n'importe quoi. Ah là 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 là, qu'est-ce que je gère mal le combat. C'est un truc de ouf, hein. Franchement, je ne me reconnais pas là. Et là, et voilà, putain, tu vois? Non mais... Non mais... Attends. Le pire, c'est que je peux même pas... Aimes-tu devant mes runes? Allez, bim, yalla, voilà, allez, bim. Là là. Alors là, c'est magnifique ce qui vient de se passer. Voilà, voilà, j'ai tout perdu. Là, j'ai perdu 1 million de runes, là. Et comme par hasard, le guerrier de feu, il arrive au moment où elle va mourir. Tu vois c'est regarde. Hein. Et ça y est, et là, c'est la défendade.
Ouh là là. Ah, heureusement que j'ai capturé ça. Alors là, ça restera dans les anthologies d'Elden Ring. Là, celui-là, il est magnifique. J'ai dit en plus tout à l'heure que ben, la logique veut que l'autre guerrier de feu, il vienne, quoi. Bah oui, il est venu, et comme par hasard, il est venu à la fin du combat. Voilà, comme de par pur hasard. Voilà, ouais, bon, là, laisse tomber. Ah, oh, c'est un truc de ouf ce qui vient de se passer. Et dans la foulée, ben bim, je perds toutes mes runes. Voilà, allez, yalla. C'est beaucoup de runes hein, que je perds, hein. Là, depuis que je joue au DLC, là, j'ai perdu énormément de runes, là. C'est dingue hein, quand même. Hein. Franchement, là, c'est magnifique, là, ce qui vient de se passer. D'endurance. Non, là j'étais trop gourmand. Ah, pas mal, une petite centre de guerre. Oh là là, t'es sérieux? Et ça t'a chiné. Putain, mais c'est dingue! Pff, 4500 runes, sérieusement? Espadon et tout le set de Freya. T'es 4500 runes, sérieusement, j'ai perdu 1 million de runes bêtement. Ouais, bon, ben. Sérieusement. 4500 runes. Après, c'est moi qui est très très mal joué parce que à aucun moment je suis censé autant galérer contre un tel adversaire. À l'instar de l'armement de son seigneur, donc Radan, hein, les motifs ornant cet espadon évoquent une crinière. Radan, voilà, c'était Bigard en mémoire. La discipline de Freya et augmente la puissance des techniques de combat des lions rouges. Et entaille tournoyante, ouais. C'est ça, tac, tac. Ouais, elle est bien, c'est cette compétence. Ça colle super bien avec l'armure, hein, franchement. Ok, c'est pas donc courbé, ouais. Donc là, c'est R1, 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 R1. Ok. Ensuite, on a R2, 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 R2. Ok. Donc, c'est deux coups, hein, R2. Et ça, c'est l'attaque chargée. Donc, comme c'est courbé, évidemment, c'est plutôt type en taille. Ça, c'est l'attaque roulée, R1. Et l'attaque roulée, R2. Non, c'est la même. Ok, et à demain on a R2, R1, 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 R1. Putain, j'ai l'impression qu'elle va plus vite en. Et on a R2, R2. Ouais, ok, d'accord. Ouais, comme tous les espadons courbés. Celui-là aussi, il était bien. Il est bien celui-là aussi. Ok, vraiment.
La lame revers. C'est quoi ça déjà? Ça, j'ai looté ça. Oui. Ça, je l'ai looté là, il n'y a pas longtemps, ça. J'ai looté dans ce DLC, ouais. Donc, c'est considéré, ouais. Donc, c'est un autre type d'espadon. Hein. Ouais. La lame revers, c'est ce que je vois les mecs qui utilisent ça en PVP, notamment. Ouais. Tu mets du saignement. Et donc, ce que je viens de looter, celle-ci. Donc, Scaling Force. Ouais, bon, E en dex, hein. Donc il faut 25 en force, ouais, elle est plus orientée force quand même. En général, les espadons courbés, ouais, t'as lui, non, lui aussi, il était orienté, c'est moi qui l'ai modifié. À quoi il ressemble lui là déjà? Il ressemble à ça, ouais. Après, les espadons et les espadons courbés, en fait, même épée courbée, j'utilise pas tant que ça pour une chose très simple, en fait. C'est que moi, comme j'ai souvent expliqué, moi, j'aime les stocks. Et en fait, ces trucs courbés, ben, c'est plus des entailles, en fait. Et je suis moins à l'aise, en fait. Parce qu'il n'y a pas énormément d'allonge. Par contre, ce qui est bien, surtout avec cette arme-là, par contre, elle est juste magnifique, hein. C'est que ce qui est bien par contre souvent avec ces armes là, c'est que ça attaque sévèrement la poise des adversaires. Et on va voir donc de cette de Freya, voilà, je disais leur casque, le chevalier de feu, c'est ça. Et là on a Freya ici. Acquisition, on va faire comme ça. Freya. Freya et Freya. Non, enlever le bouclier. Mais par contre, il n'y a pas son bouclier. Non, non, il n'y a pas le bouclier par contre. Hein. Bon, on va l'enlever. Donc voilà ce que ça donne. C'est très gladiateur. Et c'est pour ça que je préfère toujours prendre un perso féminin. Pour que tous les types d'armure correspondent, quoi. Parce que là, ça fait quand même vachement féminin, quoi, tu vois. Et mon perso est une femme. Donc ok, mais ouais, bah écoute, en tout cas, l'épée, là, elle est juste magnifique. Hein. Et là, on a quoi sur le descriptif? Une cape noire d'un chevalier Freya, du long rouge, membre des chevaliers d'élite du général Radan, hein, ce que je disais tout à l'heure. Après avoir assisté à un combat de gladiatrice Freya, le jeune Radan, hein, l'invita à rejoindre les rangs de ses combattants les plus fidèles. Doré de Radan, membre des chevaliers d'élite, une affreuse cicatrice qui a barré. Un jour, Michaela déposa son baiser sur sa cicatrice indélébile qui devint alors le compas de Freya. Après avoir assisté à un combat, donc là c'est la même. Ok, bon, bah, très bien. Très bien. En tout cas, elle est foutrement stylée. Hein. L'épée, elle est juste magnifique. Hein. Et en plus, là, l'entaille tournoyante, j'aime beaucoup cette centre de guerre. Ça attaque bien la poche des ennemis. Ça met au sol. C'est vraiment bien. Ouais. Je vais l'essayer un peu, je pense. D'ailleurs, quand j'y pense. Quand j'y pense, faut pas que j'oublie de me remettre des arcs là, les gros arcs là. Ouais, l'arbre monde, non, c'était celui de Radat là, ouais, voilà. Du géant Léonin, ouais, faut que je mette ça. Parce que la dernière fois, j'étais en galère d'arc là, et je ne savais plus quoi faire. Alors, toi, tu dégages, on va épurer un peu tout ça, voilà. Je l'ai mis à plus 10, ça. Je l'ai même pas utilisé. Bon, écoute, voilà. Bon, écoute, je vais continuer. Je vais essayer de jouer avec cet espadon-là, parce que l'épée, elle est vraiment hyper belle. Et je me dis que, bon, comme je viens d'expliquer, j'ai pas trop utilisé d'épée courbée. On va essayer. Et tu vois, là, regarde, il y a des incantations que je peux pas utiliser, hein. C'est terrible, hein, parce qu'il me faut des 52 en foi, tout ça que j'ai pas, là. J'ai tout mis dans l'intelligence.
Tu vois, notamment celui-là, l'étoile d'Elden. C'est pour ça qu'il faut que je fasse un test. Tu vois, il faut que je me vide de mes runes et que j'aille au site de grâce pour farmer et voir quand je consomme des pâtes de saumure. Voir combien ça me. Ouais, j'en ai 11. Ouais, faudrait que je fasse ça. Je crois que je vais en profiter pour faire ça vu que j'ai plus de runes. Je crois que je vais faire un test comme ça. Bref, allez, je me casse là après avoir bien galéré ma race et j'ai l'impression de ne pas avoir fini. Faut pas que j'oublie de descendre pour voir le collectif qui est en bas. Et voilà quoi. Voilà, je vais faire ça en off.